Salut tout le monde, c'est Inazuma et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer la vidéo, je tiens quand même à balancer l'intro, c'est quand même le plus important de la vidéo. Yo tout le monde! Comme tu auras pu le voir au titre et à la miniature de la vidéo, aujourd'hui on va parler réseaux sociaux. Là tu te dis, qu'est-ce qu'un guignol comme moi peut t'apprendre sur les réseaux sociaux? Bah plein de trucs, figure-toi. Même si on te le rabâche tout le temps, t'en se rafraîchir la mémoire de temps en temps. Non, parce que moi j'attire que des personnes cheloues sur les réseaux, c'est injuste! Le pire de ça, c'est qu'on m'envoie des messages avec un numéro taxé quand même. Hein. Et en échange, elle t'envoie des nudes, c'est ça le truc! Ouais, même si tu payes pour des nudes, quand même, y a quand même des sites spécialisés hein, pour ça, et c'est gratuit au moins. Et puis moi, si je reçois ce genre de message, généralement, je bloque. Non, car généralement, derrière ces comptes, c'est des mecs qui cherchent des photos sur Google. Donc j'ai pas envie de me faire trop carotte pour des nudes que, en plus, je peux avoir gratuitement sur Google. Après, il y a aussi Snapchat auquel faut faire attention, et tu sais pourquoi? Parce que sur Snapchat, il y a des pédophiles, et tu risques sans doute de te faire avoir par l'un de ces pièges. Qui est de te faire croire qu'il a le même âge que toi, mais au final, il est deux fois plus vieux que toi. C'est pas ça le problème c'est qu'il peut t'emmener dans des endroits bizarres et tout, et qu'il peut te violer à tout moment. Et moi je dis ça comme ça en plus. Du coup les enfants, s'il vous plaît, ne répétez pas ce que je viens de dire, hein. Mais bref. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, et like cette vidéo si ça te plaît. Ah oui, d'ailleurs, juste un truc. Hey, Mathéo, juste un truc. S'il y a plein de fangirls qui t'envoient de messages, c'est totalement normal. Voilà, si vous voulez son numéro, c'est 06 92. Non, je dis con, tu crois vraiment que j'allais donner son numéro comme ça, en plus? Si vous voulez me parler, allez directement sur mon serveur Discord, ou bien ajoutez-moi sur Discord. Le lien est dans la description. Et mes MP sont ouverts, du coup, allez-y! Trêve de bavardage, il n'y a pas que Snapchat, hein, y a aussi TikTok. Sauf que la seule différence à Snapchat, c'est que TikTok a pas besoin d'activer la localisation automatiquement. Et pour faire plus clair pour ceux ou celles qui n'ont pas compris, sur Snapchat, quand tu le télécharges, la localisation est déjà activée. Et du coup, tout le monde sait où t'es en ce moment même. À la rigueur, YouTube et Twitter sont les seuls réseaux auxquels ça n'accompagne pas les pédophiles. Bon, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, abonne-toi, like et partage cette vidéo, active la cloche aussi, on ne sait jamais. Ah oui, j'ai aussi ouvert ma chaîne Twitch, elle est en description avec mon Discord. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Peace!